Alors les prévenus contestent en bloc ils évoquent je cite une mutualisation de leur travail et le rassemblement national aujourd'hui dénonce un acharnement un, un procès qui débute avec le signalement on est là au début de l'année 2015 de Martin Schulz alors président social-démocrate du Parlement européen il constate que sur le nouvel organigramme du Front national 26 députés et assistants parlementaires apparaissent et occupent tout simplement des fonctions officielles l'office européen antifraude est alors avisé ainsi que la justice Française et fin 2016, une information judiciaire est ouverte. Alors on voit Marine Le Pen à l'antenne évidemment, mais qui sont les autres accusés dans cette affaire Alors, outre le parti, je le disais, comme personne morale, il y a d'autres prévenus qui sont cités à comparaître, mais seuls 25 seront présents. Jean-Marie Le Pen, lui, échappe en, au procès en raison, je cite, de son état de santé dégradé. Également, le même, euh, pour la même raison, sera absent l'ancien eurodéputé et ex-vice-président Jean-François Jalc. Aux côtés de Marine Le Pen, vous le voyez, Louis Alliot aujourd'hui vice-président du Rassemblement National et maire de Perpignan l'ex numéro 2 Bruno Gollnisch le porte-parole actuel du parti Julien Odoul ou encore Nicolas a également un tas de personnes qui ont œuvré dans l'ombre du Rassemblement National des collaborateurs, je pense au garde du corps historique de Jean-Marie Le Pen, sa secrétaire, sa chef de cabinet, ou encore le graphiste du parti. L'enjeu pour la défense sera de prouver que les assistants parlementaires ne sont pas des salariés du Parlement européen, qu'ils ont vocation pour certains à faire de la politique. Voilà donc toutes les personnes qui vont comparaître aujourd'hui jusqu'à la fin novembre.